Ok, ciao. បាទអញ្ចឹងប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាឲ្យផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងធំដែនដល់ចំពោះសាក់សី Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, je vous ai lu un extrait de votre propre déclaration. Ça se termine comme suit. En anglais, we arrested and interrogated them, we released the refugees. If they did not answer our questions, we tried to hide their identity, we would send them to our security office. And of course, est-ce que sur les différents bateaux qui patrouillaient autour des îles, il y avait des interprètes vietnamiens qui vous permettaient d'interroger les gens qui étaient avec Vietnam? Je vous remercie. Tam Nivea, Tam Koch, mình miên nẹ bọ prai tế pro. អ្វីដែលកើតមានសម្រាប់នាវានាវាទាំងអស់នាវាខ្លះមិនបានទៅបំពេញភារកិច្ចនៅមុខសញ្ញារបស់ខ្លួនទេភាគច្រើនគឺនាវាខាងនិយាយរួមដប់នាវាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងចតនៅចំណុចពីរសំខាន់ចំណុចទី1គឺអូជាទៀលចំណុចទី2គឺកោះរុងសន្លឹម S'il n'y avait pas d'interprète sur les bateaux, n'était-il pas clair alors que les Vietnamiens arrêtés ne pourraient pas répondre aux questions qui leur étaient posées? Et vous avez dit que dans ce cas-là, vous les envoyez au bureau de sécurité. តាមចម្លើយរបស់ខ្ញុំជាមួយឯកសារស្រាវជ្រាវខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងគឺថាវាជាការបញ្ជូនដោយខ្ញុំបានដឹងតាមព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្វីដែលផ្នែកនាវាឬក៏ថាគ្រប់នាវាហ្នឹងគឺមិនមានទេព្រោះ កិច្ចការហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចការរបស់ផ្នែកខាងនាវាដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើគឺភារកិច្ចគឺកងពលជាអ្នកអនុវត្តនៅតាមកន្លែងរបស់គាត់ខាងខ្ញុំអត់ក្រុមនាវាគឺអត់ដឹងនិយាយតាមការពិតនៃសកម្មភាពទាំងនោះ D'accord. Vous avez dit juste auparavant, avant la pause, que vous n'aviez personnellement pas arrêté le bateau vietnamien durant les 2 ans et plus que vous avez été capitaine du navire. Pourtant, dans l'extrait que j'ai lu, vous avez chaque fois utilisé les pronoms personnels « je » ou « nous ». Vous avez dit, quand je suis allé vérifier, c'était des bateaux vietnamiens. Nous les avons arrêtés. Nous les avons arrêtés et interrogés. Pourquoi avoir utilisé « je » et « nous » si ce n'était pas vous-même, mais que c'était des collègues qui les avaient arrêtés? ពាក្យខ្ញុំនិងយើងខ្ញុំនិយាយជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារឡុងដានីពេលដែលគាត់សួរខ្ញុំខ្ញុំត្រូវប្រើពាក្យថាខ្ញុំហើយយើងនឹងគឺត្រូវប្រើពាក្យថាយើងព្រោះពួកយើងដែលនៅតាមចំណុចដែលឈួយជើងគេអនុវត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រើពាក្យខ្ញុំនិងយើងគឺខ្ញុំនិយាយចំពោះមុខឡុងដានី ឯយើងខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ពួកយើងដែលនៅតាមចំណុចឈួយជើងនីមួយៗ
Hier, j'ai cru comprendre que vous aviez dit que des réfugiés interceptés en mer avaient été relâchés en mer. Et là, vous nous dites qu'il n'y avait pas d'interprète à bord. Et ce n'était pas vraiment du ressort des gens qui interceptaient les bateaux. Il fallait donc pouvoir sans doute les interroger, les envoyer à terre. Comment avez-vous appris alors que des réfugiés auraient effectivement été relâchés? Si ce n'était pas vous, votre bateau dit qu'il n'avait pas arrêté de gens, est-ce que vous dites qu'ils ont été relâchés, comment l'avez-vous appris? ពេលដែលគេសួរចម្លើយជនភៀសខ្លួនហើយគេដោះលែងវិញនោះតាមដែលឯកសារខ្ញុំនិយាយវាជាភាគច្រើនខ្ញុំស្រង់តាមព័ត៌មានរបស់ទីវិជាការដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងស្រង់តាមព័ត៌មានដែលវិទ្យុបានផ្សាយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនជាការ អនុវត្តជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំភារកិច្ចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្រើនសារពីរឿងថាខ្ញុំពេលនោះមានភារកិច្ចការហាត់វឹកវើនដើម្បីប្រើប្រាស់នាវាថ្មីដែលខាងថ្នាក់លើបកលជូនដល់រូបខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមនាវាផ្សេងទៀតដូចគ្នា Toujours à propos de ces difficultés de communication avec les Vietnamiens qui étaient interceptés par vos collègues, est-ce qu'il y avait des Vietnamiens qui étaient arrêtés qui prétendaient être sourds ou muets? Et dans ce cas-là, que leur arrivait-il? Est-ce qu'il s'agit de la même situation que vous avez déjà décrite ou bien s'agit-il d'une autre situation? Non, mais c'est le témoin. Parmi les Vietnamiens qui étaient arrêtés sur le bateau, vos collègues, vous entendiez ce qui se passait à la radio, ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'il y avait des Vietnamiens qui prétendaient être sourds et muets? Et qui donc faisaient semblant de ne rien comprendre et de ne pas pouvoir parler? ខ្ញុំ សូម ជម្រាប កិច្ច ការ ងារ នឹង ដោយ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ពេល មុន គឺ ថា ខ្ញុំ មិន មាន ជា ភារកិច្ច ដែល ដឹង ដឹង ហើយ ខ្លួន ខ្ញុំ ទៅ បំពេញ ភារកិច្ច នឹង ព្រោះ ពេល នោះ គឺ ថា មុខ សញ្ញា ដោយ ឡែក ភារកិច្ច ដោយ ឡែក ខ្ញុំ បើ និយាយ ឲ្យ តាម ត្រង់ ទៅ គឺ ខ្ញុំ មាន ភារកិច្ច ទទួល បន្ទុក តែ ប្រើប្រាស់នាវានិងថែនិងរក្សានៅនាវាដើម្បីឲ្យនាវានោះមានការត្រៀមប្រយុទ្ធពេលដែលខ្មាំងសត្រូវរំលោភឈ្លានពានដោយយោធា D'accord, mais vous avez dit que votre tâche principale à bord de votre navire était de patrouiller autour des îles, c'est ce que vous aviez dit hier. Je me base uniquement sur ce que vous avez dit précédemment. Et je voudrais lire ce que vous avez dit au CDCAM à la page 53-54 en anglais, E3-43-3-0-0-9-2-6-3-8-5. Vous
Vous avez répondu à une question de Danny. En anglais. We didn't know them. Some of them did not say anything and pretended to be deaf and mad. We did not believe them because mad people would not ride the boats. It was impossible to have two or three mad people on the boats. Finally, we sent them to the security officers to be in charge. We sent them to the division who would send them further questions. Were all of them Vietnamese? Answer, yes, they were youth. Question, were there many of them? Answer, there were many of them. Question by Long Danny, did you arrest them every month? Your answer, well, during the 2-year period, we caught them almost every month. They came to Koh Tao and Koh Y Island. End of quote. Et je me corrige, j'avais dit sourd ou muet, c'est plutôt sourd ou fou. Est-ce que vous confirmez cet extrait de votre interview à CDCAM? Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit à Long Danny? Nhi chia sầm đầy bọc nhóm bàn nhì dê chùm mùi Long Danny. Tại không nắng khi nhóm còn là bà chạy tha chia bộ đầm miến đại nhóm tự tuột bán bì vừa đạt sản át thống rư con phố đại bà chún ở khi nhóm đăng tha khám áng viết thơ sở cam hiệp bạc mách chở rất vía rư cả tha hiệp bột bột cả lịch bò Việt Nam giang mách đi chia bộ đầm miến mình men chia cả tập bạc cách rư cả tha phía cách bọc nhóm bàn bình bình tế. Est-il correct de dire, selon vos déclarations, que vous étiez essentiellement posté autour de Koh Tao, des postes sais, de nuit, que vous rentriez le jour à Ho Chi Minh? Capet, nhóm tranh tàu Cho Chương mình đo Koh Sai Koh Mai thế, tại sông Bình Chẹt câu đào mục sảnh nhà. Đại con quân đặt ở nhóm tha trâu tiền tuột nâng chạp dọc một sở nhà ní đầm bay cầm oi nếu viên tầng ốc chiều bột chiều bò chẳng phía cách bọc nhóm nâu cả lại nâng nông nắng nhóm xong mình chạy tham miên pi nếu viên cứ nếu viên đọc bầm pel nâng nếu viên đọc bầm pel đọc thì hào thà lê riêng đầm bay cầm oi dương của bạn hào chmu chia nề viên ni nề viên nốt chân dương đã lê đầm bay sầm quan. Monsieur le témoin, j'ai peu de temps. Je vous ai demandé si vous travaillez sur vous de nuit à patrouiller autour des îles, pas sur les îles, ou bien de jour. Et deuxième question, est-ce qu'à votre connaissance, il y avait davantage d'arrestations de bateaux vietnamiens la nuit ou bien le jour? Pele khi nhom bấm pin phía cái khnông mùi sáp đá khi nhom tàu mùi đón hay tàu pele giúp tại ca bấm pin phía cái khi nhom mình đại ban chùa bát tiên nâng ở bát tiên hai tu Việt Nam đại mau tế pro kế có đăng tha dưỡng chia cặp pal vô thi là bát
បើគេចូលមកនឹងត្រូវរងការចាប់ឬថាកាប់បាញ់ប្រហារនៅលើដែនទឹកអញ្ចឹងភាពទាំងអស់នេះគឺជាភាពមួយដែលយោធាប្រឈមជាមួយនឹងយោធាអញ្ចឹងជនជាតិវៀតណាមក៏វាអត់វាដឹងច្បាស់ថាកប៉ាល់យោធាមានភារកិច្ចធ្វើអីហើយទូកនេសាទរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើអីហើយទូកនេសាទរបស់វៀតណាមធ្វើអីអានឹងដូច្នេះភារកិច្ចរបស់អ្នកនៅតាមទឹកគឺយល់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះនឹងបាតុហេតុទេ Bien. Vous avez vous-même évoqué dans vos déclarations avoir vu deux fois l'arrestation de réfugiés vietnamiens en 1977 à Koh Notamment la réponse 121 de votre procès verbal d'audition devant les juges d'instruction. Hier, vous n'avez parlé que d'un de ces épisodes. Vous avez parlé d'un Vietnamien et d'un Indien. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu lors du deuxième incident impliquant des femmes, des hommes et des enfants selon les termes qui sont utilisés dans votre réponse 123 de votre procès-verbal. Qu'est-ce que vous avez vu, combien étaient-ils, d'où venaient-ils, est-ce qu'ils étaient détenus? លោកអាចបញ្ជាក់បានទេសរុបទាំងអស់មានប្រមាណហើយពេលចាប់ហើយយកទៅឃុំនៅកន្លែងណាដែរសូមបញ្ជាក់ឯកសារដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានព័ត៌មាននេះគឺនៅត្រង់ព័ត៌មានចេញមកពីកោះបញ្ជូនទៅកងពលកងពល បិញប្រាប់ចេញឲ្យថាពាក្យថាបទបញ្ជាឲ្យនាវាទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយទទួលដឹងឮថាថ្ងៃនេះគេមានចាប់នៅកន្លែងនេះឬក៏ថាកោះសេះឬកោះថ្មីកោះពលវៃចាស់ឬពលវៃថ្មីដែលមានទូកយួនប្រមាណដែលខ្ញុំដឹងជាព័ត៌មានមិនមែនជាការឃើញរបស់ខ្ញុំទេព្រោះរឿងហ្នឹងវា Mais hier, vous nous avez dit être allé à Polowai pendant votre formation. Et je vais citer ce que vous avez dit alors, parce que là, l'emploi du jeu me paraît assez clair. Réponse 121, par la capture des bateaux vietnamiens. Question, la division 164 procédait-elle souvent à cette capture? Votre réponse, non, elle ne le faisait pas souvent. Je me souviens avoir vu cette capture deux fois, de mes propres yeux, quand j'étais dans l'île de Pulowai. Question 123. Pourriez-vous nous parler de la taille de ces bateaux et du nombre de personnes à bord? Réponse 123. J'ai vu que c'était des réfugiés vietnamiens. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Quand avez-vous vu tout cela? Je l'ai vu en 77. Je ne me souviens pas du jour ni du mois. Exact. Êtes-vous en mesure de nous donner le nombre approximatif des personnes arrêtées dans ces bateaux? Réponse 125, la première fois, ils ont arrêté entre 5 et 6 vietnamiens. Il y en avait peut-être plus que cela, mais j'ai oublié. Incitation. Là, vous dites, vous avez vu cela de vos propres yeux. Et vous utilisez le « je » partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez vu cela de vos propres yeux ou non? ការដែលខ្ញុំទៅពលវៃចាស់និងពលវៃថ្មីហេតុការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមិនមែនឃើញការចាប់ទេប៉ុន្តែឃើញជនជាតិវៀតណាមដែលគេអង្គុយនៅតាមផែហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរនាវាចរទៅដល់ការឃើញហ្នឹងគឺឃើញអញ្ចឹងមែនតែចំនួន
ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលថាចម្លែកហើយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនេះជាមិនមែនភារកិច្ចខ្ញុំទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនឆ្លើយបដិសេធទេព្រោះកិច្ចការដែលខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំជួបខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកដានីដោយភាពគេហៅថាថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលគាត់សួរអីខ្ញុំឆ្លើយនឹងដោយក្នុងសភាពគេហៅថាដឹងរឿងត្រូវនិយាយបើមិនដឹងមិននិយាយ Monsieur le témoin, je ne vous dis pas que c'était de votre responsabilité. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Mais simplement, je veux dire ce que vous avez vu. Vous avez dit qu'ils étaient assis là, parce qu'ils étaient attachés. Parce qu'ils étaient détenus. Et puis, vous avez vu qu'ils étaient détenus. Capet, khyom khoy chuan chiet Viet Nam kot hop bai mun ton mien khoeng chomnong ai te pru trou ka kot hop bai yeung mun mien chomnong chob no dai te kana ka khoeng tau khyom chlong phot tau hai pru khyom trou ka lang tau bot dai bot cheung ai khang leu nang injang khyom chot ni vi khyom nou phae yeung ka khoeng vi doy tha tamnai chlong kat muoy phlet injang Bien, j'en viens maintenant alors aux chiffres, votre estimation du nombre de Vietnamiens arrêtés par des matelots dans des îles. Ça, c'est la question 132 de votre procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction. Vous avez répondu, réponse 132, à mon avis, ils ont arrêté plus d'une centaine de Vietnamiens. Pourquoi vous parlez de l'entièreté de la période? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Et quand vous dites plus d'une centaine de Vietnamiens, est-ce que cela couvre toute la période où vous avez été capitaine de bateau? Et bien entendu, je ne dis pas que vous-même avez arrêté les Vietnamiens. Est-ce que vous avez entendu? Je ne dis pas que vous-même avez arrêté les Vietnamiens. សរុបនឹងពិតជាចំនួនច្រើនជាង100នាក់ហ្នឹងមែនទេតាមការពិតដែលខ្ញុំដឹងជាព័ត៌មាននេះជាចម្លាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឯកសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះខ្ញុំទូទាត់បូកសរុបទៅខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែប្រាប់លោកដានីថា ខ្ញុំលឺព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកដានីគាត់ថតសម្លេងខ្ញុំជាប់នៅនឹងហើយក្រោយពីថតសម្លេងខ្ញុំហើយលោកដានីឯកសារហ្នឹងទុកដល់ឆ្នាំ2017ទើបខ្ញុំមានឃើញវត្តមានរបស់អង្គទៅជួបសម្ភាសន៍ខ្ញុំជាលើកទី2ដូច្នេះខ្ញុំ យល់ថាកិច្ចការនឹងវាជាកិច្ចការពេលវេលាមួយយូរដែលខ្ញុំចាំថាច្បាស់និយាយជាមួយលោកដានីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងការពិតឯកសារដែលរំលឹកមកហ្នឹងវាជាឯកសារដែលខ្ញុំបាននិយាយមែនប៉ុន្តែក្រុមសូមបញ្ជាក់ថាវាជាព័ត៌មាន Nous avons bien compris cette partie-là de votre témoignage, ce n'est que des informations. Donc, vous pouvez être assuré, on l'a bien compris. C'était un témoignage devant les juges d'instruction. Je précise ce que j'ai dit. Et concernant cette estimation d'arrestation d'à peu près ou de plus d'une centaine de Vietnamiens, je voudrais voir si vous savez si la plupart de ces Vietnamiens étaient arrêtés par les bateaux de la marine
par l'infanterie qui était posée sur les différentes îles cambodgiennes, qui elle-même disposait de certains bateaux. Bien, il y a un témoin, 2TCW8-2-3. En anglais, both units were in charge of capturing Vietnamese fishermen and seizing their boats. My unit was stationed on the island, did not have the capacity to seize those boats. When we encountered them, we would retreat. When we fired, we intended to sink the boats, straight away. We did not capture people at sea. សាប្រិញ្ញារងអន្តរជាតិទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យអមុននេះបន្តិចនៅពេលដែលលោកសាក់សួរទៅសាក់ស្អីទៅលើពាក្យថាខ្ញុំបានឃើញឬក៏ខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់ដែលសាក់ស្អីបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមជាមួយនឹងឯកសារខ្ញុំដូចឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំបានពិនិត្យមើលទៅក្នុងឯកសារនោះគឺមានការបកប្រែខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យជាពិសេសនៅក្នុងភាសាខ្មែរប្រើពាក្យថាយើង ហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា I ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឬក៏ you សំណួររបស់ឡុងដានីតាក់ទងឯកសារ ខ្ញុំសូមដកស្រង់សរាត់ជាចម្លើយរបស់សរាត់ mình bỏ ra thảo ví tới chứ I want to check là chẳng tới vì miền này thả đội chặt quạt nó chỉ nhận bàn từ khởi to được nó xong rồi còn lúc thiếu Monsieur le Président, le temps est compté. Je suis au milieu d'une question, en plein milieu d'une question, et nous avons une observation. Je ne dis pas que l'observation n'est pas pertinente, mais tout de même, interrompre juste au milieu d'une question qui n'a rien à voir avec ça, je pense que la défense de Tam Sampan à l'occasion de revenir là-dessus. Je vous laisse la formuler alors, si
si la chambre le permet, la question que je posais au témoin. Vous avez dit, monsieur le témoin, que c'était les gens postés sur les îles, les troupes qui procédaient aux arrestations. Nous avons ici un témoin de TCW-8-2-3 qui dit que c'était bien la marine, donc les unités de bateaux qui étaient chargées de capturer les pêcheurs vietnamiens et de saisir leurs bateaux. Il y a deux versions contradictoires. Est-ce que, alors, c'était la marine qui capturait les bateaux et pas les militaires des îles, c'était les deux qui le faisaient, ou alors ce n'était que les militaires des îles, il y a trois possibilités. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Quelle est votre réaction par rapport à ça? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កងនាវាមានពីរផ្នែកនាវាល្បាតនៅតាមកោះហើយមានភារកិច្ចចាប់ទូក ដែលចូលមកក្នុងអធិបតីដែនទឹកមាននាវាពីរគ្រឿងជានាវាជ័យជប៉ុនរបស់អាមេរិកពេលនោះខ្ញុំប្រើពាក្យកាលនោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើចុះគេហៅថានាវា PCS អញ្ចឹងភារកិច្ចហ្នឹងខាងនាវាពីរហ្នឹងអ្នកដើរ ចាប់នៅតាមកោះចំណុចមួយមួយអញ្ចឹងនាវាខាងខ្ញុំនេះប្រើប្រាស់មិនមែនបានដូចនាវាតូចខ្នាតតូចអញ្ចឹងទេនាវាខ្ញុំបើកាលណាប្រើឆេះមួយម៉ោងអស់ប្រេងពីរតោនអញ្ចឹងអត់សូវប្រើទេហើយក៏មិនចេះតែប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ថានាវាពីរ ពីរហ្នឹងដែលគេមានភារកិច្ចបំពេញតែសពថ្ងៃគាត់រស់ឬស្លាប់ខ្ញុំអត់ដឹង Je vais revenir alors aux chiffres que vous avez donnés, qu'il y avait plus d'une centaine de Vietnamiens qui avaient été arrêtés durant la période où vous avez servi au sein du régiment 140, en tout cas, c'est ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction. Je voudrais essayer de vous aider concernant ces chiffres en lisant ce qu'en dit Mihmut lui-même à sa hiérarchie. C'est un document E3-997. Il s'agit d'un message télégraphique intitulé « Communication téléphonique secrète du 20 mars 1978 adressé par Mout, brigade 164, secteur politique, à l'attention de 89 très respectés. » Et au numéro 3 de ce document, Mout dit ceci. Je cite. Sur l'île de Tang, à 2h30, le 20 mars 1978, notre bateau de 800 chevaux est allé travailler au sud-est de cette île, à une distance de 12 km. Nous avons réussi à arraisonner deux bateaux vietnamiens sur lesquels il y avait beaucoup de vietnamiens, au nombre de 70 en tout. Il y avait des vieux, des hommes et des femmes, tous confondus. Après que nous les avons attachés, un petit canot s'est penché, ce qui a fait tomber deux personnes à l'eau. Nous n'avons pas pu les retrouver. Ils ont été amenés sur la terre ferme. Fin de citation. Première question. Vous avez dit que votre bateau était assez gros. ກົມຽນຊື່ວໍຄົມຽນຊື່ວໍດິສປອຊີເຊີວໍຄົມບາດຂອງຂ້ອຍ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 ຂ
chẳng cả prapra khi stop praying mỗi đón cứ chấm nuôn mà phải tàu được nè khi mình chạm tháp bảo màn sai thế của khi mình bàn chạm của đang tham xin thôm đang miền buồn cường. Oui, monsieur le Président, je comptais laisser 10 à 15 minutes, je crois, au parti civil. Donc, je vais conclure dans 5 à 10 minutes, comme vous nous avez dit à 10 heures. Je vais vous parler de 4 à 5 minutes, le Président. Je vais vous That was exactly my observation, Mr. President. It's concluded 7 minutes ago. Monsieur le Président, si je peux me permettre en français, nous avons entendu vos instructions à 10h10, qui disaient que nous avions encore une session. À 10h30, nous avions encore une session. C'est sur cette base-là que je vous pose une question. Maintenant, si c'est différent, je suis ennuyé parce que j'ai encore des questions à poser que je n'ai pas pu poser. Oui, bonjour, monsieur le témoin. J'aurais quelques questions à vous poser, tout d'abord, en ce qui concerne ce que vous avez dit hier, par rapport aux relations entre le Kampuchea démocratique et le Vietnam. Tout d'abord, sur les conflits qui ont pu survenir dans les eaux territoriales du Kampuchea. Hier, vous avez dit qu'au début de l'année 75, il y avait eu un champ de bataille chaud entre les troupes du Vietnam et du Kampuchea. Est-ce que vous nous dire exactement à quoi vous faites référence quand vous dites qu'il y a eu un champ de bataille chaud et qu'est-ce qui s'est passé? ខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គចៅក្រមពាក្យថាក្តៅកកុកពេលនោះខ្ញុំមិនចាំពេលវេលាថាតើអ្វីទេដែលខ្ញុំជម្រាបថាដើមឆ្នាំ 1720 Peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais ces soldats du Kampuchea démocratique, où avaient-ils été arrêtés exactement? Ils avaient été arrêtés alors qu'ils étaient sur des îles cambodgiennes, ou est-ce qu'ils étaient sur des îles vietnamienne, en tous les cas des îles qui étaient disputées. Vietnam, puis d'amener Viet Chalouk Nien.
Sông chìm riếp chùn ông chào cọm. Cả chạp ní cứ chạp nó lư thập tay có chắc, có bồ lại chắc, nâng có bồ lại thầm mấy. Chị đàn tức rồi bỏ Campuchia. Et à votre connaissance, est-ce que les troupes du Kampuchea étaient allées prendre position sur des îles qui étaient disputées et qui étaient préalablement occupées par le Vietnam? Con tôm Campuchia chụp tay ban tôi đo cọt trol tại hàng Việt Nam ở đòi lãng chẳng con tôm Campuchia chụp tay tập lập màu vĩnh alors peut-être que pour moi c'est pas très clair. Est-ce que vous connaissez les îles sous leur nom vietnamien et notamment l'île de Phu Quoc, l'île de Tho Chu? Et est-ce que, sur, à votre connaissance, les forces du Kampuchea démocratique sont allées prendre position sur ces îles? Ông chào cấm nhưng đập sầm nua chú một cọ mình chú bà tại chú một cọ ấy ông bánh miếng phía xa Việt Nam nhưng họ chạm l'île de Phu Quoc bập chia phía xa Việt Nam thì cọ Tho Chu cúc hay là Tho Chu Tho Chau rồi Tho Chau lục thọp lư chú một cọ thằng pi nâng thế. Tam đại khi nhom đắng khi nhom ở school tha chia phía xa Việt Nam tế tại có đại khi nhom school miền tại có troll có tuần sai có pole vai chắc pole vai thay máy hay có cái chợ xe tại có phía xa Việt Nam nhom ở đắng. Et sur ces îles qui, selon vous, appartiennent au Cambodge, est-ce qu'il y avait des civils vietnamiens? Đại chiến là bọc mai nó ta miền chân Việt chân civil Việt Nam luôn nơi lực cọ hàng thế. Chừng năm chật sập rắm tam cọ đại nhom riệp rầm bành mình tàu mình miền thế pru cọ vai cha nâng cọ vai thay mấy nâng ở miền ấy thằng ở miền tây cái ta xã Nam cái Palisad sầm chót rồi cái xã Nam ấy nâng đài nhom đăng po đồng miền nâng tám con cầm lăng đại quạt bàn làng từ lực cọ ấy chụp nia squal nia xã xú bị po đồng miền để tha đăng riêng đại quạt bàn tàu nâng để cho nên mình miền ấy đài khởi chuyên chiến Việt Nam rồi cả thà chia chuyên Việt Nam ấy mà nấu lời con đăng thế đăng thế donc si je comprends bien monsieur le témoin vous dites c'est que ce sont les forces armées vietnamiennes qui sont venues agresser con cầm lang Việt Nam trôn một chuyến biên cọ máy arrêté détenu des soldats des forces du Campuchia démocratique thập tay do tự khom vous savez pour quelle raison chẳng mệt thế hai lục đằng đấy hai đấy ban chia con cầm lang Việt Nam trôn mà chập thể hiện khăm ai nó nhóm đăng thà Peru miền ca Phật hai con cầm lang Việt Nam pra nề về tràn cường hôm quạt đèn có cắt phải đánh lâu đặc trình chún
ហើយកណូតដឹកជញ្ជូនទៅចូលកោះអត់បានដូច្នេះកងទ័ពកម្ពុជាជាតៃនៅលើកោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាច់ស្បៀងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកងទ័ពវៀតណាមប្រើកប៉ាល់ប្រើកងថ្មើរជើងបុកចូលកាន់កាប់កោះហ្នឹងហើយចាប់យកកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់កោះត្រល់ Donc, l'attaque, puisque vous avez parlé du mot attaque, à l'origine, c'était une attaque lancée par les troupes mères, par les troupes vietnamiennes. Donc, l'attaque, Et vous avez participé à ces combats? Vous étiez présent ou c'est quelque chose dont vous avez simplement entendu parler? Est-ce que vous étiez présent lorsqu'il y a eu l'arraisonnement du navire Mayaguez? Je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit hier à propos de la déportation de Vietnamiens vers le Vietnam. Hier, vous avez dit « Je ne me souviens pas quand la déportation de Vietnamiens s'est produite, mais je sais qu'il y en a eu. » Vous avez mentionné une déportation qui serait intervenu en 1973, vous avez dit qu'à cette époque-là, il y avait eu des combats, et vous avez également mentionné une déportation qui serait survenue en 1975 et une autre en 1976. Alors, j'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur la déportation dans les faits d'État en 1973. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette déportation? Qui avait décidé qu'elle devait avoir lieu? Et vous savez combien de personnes ont été déportées vers le Vietnam? និងកងទ័ពកម្ពុជាជាតិតៃមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងតំបន់កម្ពតហើយការប្រយុទ្ធហ្នឹងក៏មានការប្រយុទ្ធតានតឹងដោយជាកងទ័ពទេមិនមែនជនជាតិវៀតណាមទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកងទ័ពវៀតកុងដែលមកជ្រកនៅលើទឹកដីកម្ពុជា Donc
gong top Việt Nam từng ơi từ nâu chua chương cầm nót đen chua chương rồi bỏ gong top Việt Nam cho năm chất sắp bấy cứ tầm mốc quá trình nạ xâm rạch của cái nhóm bên nâng nâu khăn ông khóa khăn chìa dụt thị chuân nổ lại tì chẳng cách ca để cái nhóm đắng ta mà dạ ca bởi dụt tòa đáy chìa mùi nâng gong top Việt Nam nâu xa mò rập hùm cầm phùng trai xa chìa rùng quên chụp phnom tụt tung khăn ông sọc tụt mìa ní chìa ca bởi dụt rùi viên gong top Campuchia chìa tay chìa mùi nâng gong top Việt Nam chăm chất sập bầy hai ta mốc gọt xa mạch thai chụp vay bộ viên nâng tâu ôi viên ta nâu mà đông prum đen chọp dương cả nắng dương xâm rạch ôi viên ôp nôm lần nghiêng không sốc tục miệng để chùm nuôn phẩm án nhóm chăm mình chú bác đê xong ạ chia sài quand vous dites il nous a dit qu'il ne devait plus y avoir de combat vous faites référence à qui vous faites référence à Tamok ou à quelqu'un d'autre pour que nâng lok samdai te le tamok rư ko neak na khlas tiet pour que khnyom mon nige samdau tamok te khnyom nige samdau pour kong top Vietnam vous faisiez partie des forces du sud-ouest à ce moment-là. Qui commandait les forces du sud-ouest? Est-ce que c'était Néasmout ou est-ce que c'était Tamok? Mình chia ca rùm pê nô, nê đây cứ miền Tamok quạt chia bà thiên phùm phía. Alors, qu'est-ce que vous a dit Tamok par rapport à cette situation? Est-ce que Tamok était d'accord pour que les forces armées Viet Cong restent sur le territoire du Cambodge ou est-ce qu'il n'était pas d'accord? Khi nhóm mình chỉ bà thả ta tùm nẹ tùm nôn rồi viên con tòa Việt Nam nâng tà mốc miên bàn chô ruông bị phía xa dạng na xâm rạch dạng na khi nhóm ọt đăng tế bà nó nông cọp khăn tha về đề chú bà tế ca bà dứt kháng khi nhóm ông gặp hiệp khi nhóm nâng bà dứt chú mùi con tòa Việt Nam hỏi tà mốc cọt chụp chỉ mùi mê đặc nòm Việt Nam bê lúc nhóm chấm miền chú mô vi mà nè chú mô vi thà tầm nàng ôi con to Việt Nam chia tầm nàng cho cha chỉ mùi tầm mốc cư chú mô kèo hào bay sơn hai còi mô miền cần tầm nàng bảo vi mà nè tiết chú mô bà bao chỉ nẹ xâm rộp xâm rúa cho cha và mô con to Việt Nam thằng ở nắng ôi tôi nấu phụng là nghiêng bien. Vous avez parlé bà d'une déportation. Est-ce qu'il y a eu une déportation de civils en 1973, bien, est-ce qu'il y a eu certains régiments Viet Cong qui ont quitté le territoire du Cambodge? Oui, c'est ce qu'il y a eu certains régiments Viet Cong. Pour Việt Cong đại ban một bò nâng chùm rốt nâu lơ tức đây Campuchia miền tràn cả lãnh hỏi phương sạc ca một hiệp
អ្វីមិនសមរម្យដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមមកគាត់ហើយក៏មានការប្រយុទ្ធជាមួយពួកខ្ញុំដែលនៅខ្ញុំពេលនោះប្រើពាក្យថាកងតំបន់កម្ពុជាមានការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពវៀតណាមវៀតកុងហ្នឹងហើយក៏ការប្រយុទ្ធហ្នឹងវាអរយៈពេលជាង 15 ថ្ងៃទៅបានឃើញវត្តមានរបស់តាមុកគាត់ទៅដល់កន្លែងកន្ទីកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធហ្នឹងគាត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំថាពួកយើងឈប់វាយវាទៅព្រោះវាសុកចិត្តនាំកងកម្លាំងក្រោមបញ្ជារបស់បៃសើងរបស់បាវហ្នឹងទៅនៅម្ដុំភ្នំលំងៀងដែលចរចាជាមួយយើងឲ្យវាកំណត់ដែននៅកន្លែងហ្នឹង អញ្ចឹងភ្នំលងៀងនឹងវានៅទាំងណាគឺនៅក្នុងស្រុកទូកមាសខេត្តកំពតជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសព្វថ្ងៃ Savez-vous si à un moment donné les troupes vietcong ont totalement disparu du territoire du Cambodge? អស់ទាំងស្រុងចេញពីទឹកដីកម្ពុជាតែម្ដងហើយបើលោកដឹងតើនៅឆ្នាំណាដែរ នេះជាទំហំមុខសញ្ញាធំតែខ្ញុំសូមនិយាយ តាមមុខសញ្ញាដែលខ្ញុំដឹង ហើយក្រោយមកហ្នឹងគឺកងទ័ពវៀតណាមបានប្រមូលផ្ដុំហើយ សម្រេចថាបាត់ពីទឹកដីកម្ពុជាពេលណាខ្ញុំក៏ចាំអត់បានព្រោះខ្ញុំពេលនោះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមិនមានតួនាទីអីនឹងត្រូវធ្វើថាតាមការយល់ដឹងថាឲ្យយល់ច្បាស់ថ្ងៃណាឆ្នាំណាអត់ដឹងគ្រាន់តែថាដឹងថាមានចំនួនហើយថ្នាក់លើ បានបញ្ជូនពួកវាកុងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញ Vous avez ensuite parlé donc de deux autres déportations, une qui serait survenue en 1975 et une autre en 1976. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces déportations? Est-ce que cela concernait des civils? Est-ce que les ordres venaient de l'échelon supérieur? Comment ça s'est passé? តាមខ្ញុំដឹងសូមជម្រាបអង្គចៅក្រមខ្ញុំដឹងនេះតាមព័ត៌មានដែលថ្នាក់លើបានប្រាប់ទេតាមរយៈកងពលនិងវិរៈសនាធំបានប្រាប់មិនមែនខ្ញុំដឹងជាក់លាក់ថាតើមានប្រមាណអ្នកជាជនស៊ីវិលមានប្រមាណអ្នកជាយោធាសូមជម្រាបអង្គចៅក្រម Alors, comment se fait-il que vous ayez pu nous dire qu'il y a eu des déportations en 75 et en 76? Qu'est-ce que vous savez au sujet de ces déportations? Est-ce que vous en avez été le témoin? Est-ce que vous avez reçu des instructions? មិនមែនខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយខ្ញុំមិនបានអនុវត្តផ្ទាល់ទេព័ត៌មានគឺបានទទួលដំណឹងថាគេបានបញ្ជូនថ្នាក់លើត្រូវបញ្ជូនជនជាតិយួនប្រមាណអ្នកទៅស្រុកយួនតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីថាចំនួនប្រមាណច្បាស់លាស់ ហើយពេលវេលាថ្ងៃណាដែលខ្ញុំបានដឹងអានឹងអត់មានទេវាជាព័ត៌មាន
Avez-vous entendu parler d'un programme qui aurait consisté à échanger des personnes d'origine vietnamienne contre des Cambodgiens Kampuchea-Krom? Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, après avril 1975, vous êtes arrivé dans la région de Kampong Som, vous avez été stationné dans le port de Ho Chi Minh et ensuite sur les îles. À votre connaissance, aux endroits où vous étiez, est-ce qu'il y avait des personnes de l'origine vietnamienne? Et si oui, est-ce que ces personnes ont fait l'objet d'une déportation? Les personnes de l'origine vietnamienne ont fait l'objet d'une déportation? Tam đặc nhiệm đắng hay nhiệm chấm về đặc nhiệm tàu pi phnom penh từ đó có phong sao nâu môn từ bốn nâng cực nhiệm nâu chậm nói chùa chương chật và liên duyên học còn kỳ rồi pi riệp chậm còn tọp chương thực hỏi từ nhóm miền phía cách từ chùa chương nâu có rung sần lầm chăng ở vây để nhóm ban chụp nâng và tiệc hơi nâu bê nút nhóm khơi tệ chuyên triệt Campuchia ọt miền chụp chuyên triệt Việt Nam tế rùa nít nhóm này dây đầy lại nâu khang chết chùm nọt dân hoa con kênh tại này dây đầy lại nâu có rung sần lắm ọt miền mà nụ xông bay tệ bom ôn để sát chỉ chuyên triệt mai dương nó lại nắng có ăn nào nặng đài có tập lọp mò có phun xong tận ọ Et avez-vous entendu quoi que ce soit par rapport au traitement qui pouvait être réservé aux civils vietnamiens qui auraient habité dans ces régions? สำหรับคุณยมเป็นนู้คือมันบานตัวปอดเมียนเอาไว้ตั้งอ้อปลัวคุณยมมันเมียนเพริกไอ้แต่ตัวดังลือทาตาจวนเชียดเวียดนามนกไหลนาเมียนเคลียประมาณเนี้ยอันนั้นคุณยมอดบานทั่วกลางเงี้ยกลางเงี้ยนั่งเตะMonsieur le Président, j'aurais d'autres questions à poser au témoin, mais je pense qu'il est là pour faire la pause. Monsieur le Président, je voudrais vous demander de vous demander de vous demander. บ่ขอบคุณแล้วนี้ดอลเปิลสําหรับถ้าตรังให้อ้ายไปประกาศสําหรับจับเป็นนี้ตะเตลโหดดอมมองมวยกะละรีเซลนี้สมเชิญจุลวิ่งดําเนินบันต่อให้ตําราการสํานักการมนตรีรัฐบาลตุลาการรวมรวบรอกอะไรสําหรับในประตูกรุงจําแม้สะใสดอลสะใสรูปนี้ในក្នុងลงเปิลสําหรับថ្ងៃตรังนําอัญเชิญกอดรวมเตียงเป็นวิปรึกษาสะใสมากันกันหลายดอลสิกรรม ในขนมตุ๊บสันมาการนี้วิ่งในวิลเลียมมองมวยกันละรัสเซียนี่ให้ประกอบอาณาเรียมที่คงแข็งนองครูนลูกเคลื่อนสัมพันธ์ตลอดการประตูรุ่งจำข้างกรอมซาตันมาการนี้ในประกอบอ้อยนองครูนก็ตลอดโจรวมสันมาการในวิ่งในรัสเซียนี่ให้บานบนมองมวยกันละสมระจ๊อสมเจงกราบเชิญ